Hello les citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo où je fais ma petite réaction à vos vidéos, vos films, vos séries sur Movistar Planet. Donc je rappelle, je vais voir directement sur votre chaîne YouTube. Voilà, donc ça vous intéresse, vous avez fait une petite série, vous avez fait un petit film, vous voulez que je fasse une réaction à votre vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je rappelle que pour les vidéos gacha, je le fais également, mais sur ma chaîne Gachazelle Studio. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui première vidéo à laquelle on va réagir, c'est tout simplement une série qui s'appelle Les Jumelles en vacances, et du coup c'est l'épisode 1 bien évidemment. Aujourd'hui on va faire deux réactions hein, parce que du coup c'est des films qui sont un peu plus courts que la dernière fois. Du coup pour la première vidéo, ça vient de TV Star. Comme d'habitude je vous mettrai dans la description si vous voulez voir les suites des séries, si on a vous l'aurez directement dans la description. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc ça commence, on voit des gens courir partout, on voit qu'il y a des petits gugus en haut à gauche de l'écran, vous voyez les petits gugus là qui sont en train de regarder. J'essaie de voir les jumelles, moi je suis en train de repérer les jumelles. Bon après dans Movistar Planet, elles sont toutes jumelles. Les filles, vous pouvez visiter le camping, je vous retrouve tout à l'heure. D'accord, donc elles sont au camping, forcément les jumelles en vacances, qui veut dire vacances. Oups, désolé. Ce n'est rien, tu t'appelles comment ? Léa et moi c'est Lisa et elle est là. Vous avez quel âge je suppose? 15 et toi? 15 et... tu es perdu? Alors ici c'est le champ de fleurs. Oula, ça part un petit peu. Attendez, attendez. Oula, attendez, attendez. Et pas si vite. C'est très compliqué parce que déjà les bulles cachent la bulle en dessous. Donc je suis obligée de deviner ce qui a marqué. Bon pour le moment il n'y a pas des informations de ouf hein, il y a juste les prénoms et les âges. Mais voilà, ça peut être compliqué si par la suite de l'histoire ça continue comme ça. Et ça va très très vite. Mais c'est pas grave, on continue. Il va pleuvoir je crois. Il va pleuvoir. Ok, il va pleuvoir, ok. Mince, je devrais peut-être rentrer. Vite, allons-nous vite nous abriter. Il pleut, allons vite nous abriter. Ok, je vais arriver. Glisse sous l'eau. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, faut que je revienne. Faut que je revienne là-dessus. Je suis désolée, les gars, mais faut que je revienne là-dessus. Mais merde, mais attendez. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Ah non, ça c'est encore pas bon. Voilà. On sent que la personne, elle a essayé de voilà, faire tomber la personne sur l'autre, enfin, les faire tomber les uns sur les autres. Mais vu comme ça, ça me fait vachement rigoler. Désolée, mais j'adore. J'adore, c'est tellement marrant, tu sais. Tu vois, on essaie de faire avec les moyens du bord, vous savez. Enfin, je pense que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, on continue, j'arrête mes conneries, on continue. Merde. Merde, mercredi. Léonie. Ah, mais le garçon, il a rien dit. Il n'a pas été perturbé. Qu'est-ce que tu fais là? Maman s'inquiétait car tu n'es pas revenue et qu'il pleuvait, elle arrive. Ok, je suppose que c'est elle, les jumelles. Maman, j'ai des nouvelles amies et ce soir, il y a une fête pour fêter les 10 ans du camping. On peut y aller faire du shopping ensemble avec Léonie. Ça, c'est la maman avec les gros yeux, je crois. Je suis pas sûre, mais elle n'a pas répondu. Elle lui a mis un vent du turfu. Salut! Ok, elle est vénère. Ça doit être sa girlfriend. His girlfriend. Voilà. Bon, on y va. Me prends pas en photo. Hein. Wow, trop beau cet ensemble. Je kiffe cette robe. Bon, t'essayes de chercher quelque chose, Léonie? Ouais, ouais. Ah non, c'est pas la mère avec les gros yeux. Je pensais que c'était la mère, mais non, c'est pas la mère, c'est elle les sœurs, je suppose. Pff, elle et ses sondages. Allez, on se change et on y va. Ok, c'est fini. D'accord, ça s'est fini tellement, ça m'a perturbé, la fin m'a perturbé. Genre, je m'attendais, tu vois, qu'il y ait une intrigue ou quelque chose, mais non, ça s'est coupé tellement net. Donc voilà pour la première vidéo à laquelle je devais réagir aujourd'hui. Vu qu'elle est quand même assez courte, je crois que la vidéo dure 2 minutes, un truc comme ça, 2 minutes 30. Eh bien, nous allons passer du coup à la vidéo, bah du coup, la prochaine vidéo, tout simplement. La prochaine vidéo, c'est une série également qui s'appelle New et du coup qui a été faite par GMVMSP. Comme d'hab, je vous mettrai dans la description, je mettrai en commentaire épinglé pour aller retrouver sa chaîne. Et nous allons du coup réagir à sa série qui s'appelle New.
Donc, écoutez, c'est parti. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vois quand même qu'il y a pas mal de vues, hein. Il y a beaucoup de likes. Donc, je m'attends à avoir un bon premier épisode. On va voir ça ensemble. Donc, nous avons Branda. Zoé et Mireille. Non, mais elle me fait trop délirer quand elle marche comme ça. Je suis désolée, mais ça me fait tellement rire. Alors, Alec. Alors, je suis désolée, hein, les pseudos, les prénoms dans les séries, je ne retiens pas. J'ai une mémoire de merde concernant les noms. Et Sarah. Et ici, nous avons... Ouf, elle est flippante, elle, par contre. On n'a pas vu son prénom, je sais pas c'est qui, mais c'est creepy. Et du coup, l'épisode, new, donc c'est une série. Maman. Je vais faire une voix de chouin, je pense. Bizarre, elle répond pas. Ça est tellement genre la princesse. Je vais aller voir dans la cuisine. Il y a une lettre. Bonjour ma chère Branda, ta mère est avec moi dans un lieu que tu ne retrouveras pas. Si tu fais ce que je te dis, tu pourras la retrouver. Mais si tu ne fais pas ce que je te dis, tu viendras et tu seras prisonnière tout comme elle. Déjà, je veux que tu quittes cette maison. Ensuite, que tu déposes tout ton argent à la rue. Tu as une semaine pour le faire. Ne t'en fais pas, je t'observe. Ok, c'est flippant. Je pense que la maman, tout simplement, s'est fait kidnapper. Et du coup, elle lui demande une rançon, je suppose, étant donné que visuellement, elle a l'air d'être un petit peu aisée avec sa petite couronne, son petit palace, tout ça, tout ça. Non, maman! Non! Moi, un jour, s'ils kidnappent ma mère, à la limite, ils vont me demander 5 centimes, quoi, tellement je suis pauvre. En rançon, donnez-nous 5 centimes pour que je vous rende votre mère. Bon, elle a l'air triste. Où est-ce que je peux aller maintenant? Je vais aller voir Caleb. Caleb, c'est son petit ami, ok. Mais c'est cool, l'effet de transition, on fait un zoom à un endroit pour faire une transition, c'est vachement cool. Caleb? Ok, bon bah je rentre. Est-ce qu'il y aura histoire de tromperie? Oui! Désolé, il est pas... Attends, faut que je mette sur pause, ce moment est génial, attendez. Désolé, s'il n'est pas comme dans le trailer, c'est qu'il a changé de visage. J'aime bien la petite précision en bas à droite de l'écran. Et là, franchement, les personnes qui vont copuler les movie stars dans leurs films, moi, ça me fait... Je suis désolée, mais c'est hilarant. Voilà, c'est hilarant, j'adore. J'adore. Bon, j'arrête mes conneries, on avance. Donc, clairement, il y a une histoire de tromperie. Caleb. Non, je fais juste des pompes. Tu m'avais pas dit qu'elle devait venir. Oh, elle est en slibar sur le lit. Bah normal, elle devait pas venir. Bon, je me casse parce que si elle nous voit... Ah ok, je croyais qu'elle les avait vues, mais elle les a pas vues. Ouais, à demain soir. Je vais avec un petit smiley. Petit clin d'œil. À demain. La flemme de me rhabiller, je lui dirais que je dormais. Ok, ouais. Bah ouais. Bah oui. Bébé. Oui. On vient de me mettre à la rue. J'ai plus de sous. Quoi? Sors. Moi, si t'as plus de sous, sors moi. Sors de là. Sors de... Sors. Bref, sors. Génial, je suis dehors et en plus, je suis à poil. Ma vie est géniale. Attendez, ça me fait rigoler parce qu'en fait, elle est quand même passée du statut princesse blonde, à moins que ce soit plus la même personne, mais si c'est la même personne, de princesse blonde et tout, voilà, avec la petite couronne, tout ça, et là, on dirait qu'elle est revenue à la préhistoire avec un morceau de tissu et un slip dans la rue avec les cheveux châtains. Si c'est elle, alors ma vie est géniale. On va voir, ça se fait, c'est même pas elle. Je me fais chier, je peux pas rentrer chez moi comme ça. Ah non, c'est pas elle, je crois. Caleb s'est mis célibataire. Oh. C'est trop cool. Non, je crois que c'est pas la même personne, en fait. Mais ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être drôle. C'est gênant de faire ça dans cette situation. Salut.
Ça, qu'est-ce qu'il y a? Je suis à la rue et ma mère s'est faite kidnapper. Ok, je te connais pas, ciao. Regarde, son cœur est brisé, son cœur est brisé. Ça fait 5 heures que je marche, j'en ai marre. Elle a les règles des yeux là. J'ai mal à la tête. T'as pas optionnellement mal aux yeux aussi? Elle est tombée, non. Il me fait yesh. Ah bah c'est recruté par des bandits, c'est ça? Oh putain. Faut l'emmener avec nous, on peut pas la laisser comme ça. Ah oui. Il la traîne par terre, c'est tellement drôle, j'adore. J'adore. Et voilà, c'est la fin du coup de la série. Alors honnêtement, moi je... On va dire, je suis plutôt... plutôt positivement... je cherche le mot, je ne trouve pas. Bref, je suis plutôt bien de voir cette vidéo, c'est très le français, bref. Mais ouais, non, ça va, franchement, j'ai bien aimé cet épisode. Je regarderai la suite avec plaisir. Surtout pour savoir ce qu'elle devient. Après, il y a juste un truc qui me fait cogiter, c'est de savoir, mais voilà, sa mère, elle s'est fait kidnapper, mais pourquoi elle peut plus rentrer chez elle, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, elle a peut-être plus d'argent parce que ses parents, voilà, mais voilà, c'est juste ça, en fait, qui m'a perturbée. Mais sinon, à part ça, franchement, l'épisode, il est vachement bien. Et franchement, je vous invite à aller voir, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est une série dramatique. Et comme je vous l'avais déjà dit, j'aime bien les séries dramatiques. Donc, moi, je valide, plus. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme d'habitude, les liens seront dans la description, peut-être dans le commentaire épinglé. Et j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Dites-moi si vous voulez encore plus de vidéos où je fais des petites réactions à vos vidéos, vos séries sur Movie Star Planet. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao.